pas si sur la piste ça va bien donner, mais... Accélérer la caisse, elle descendait comme ça. Bon, on commence la vidéo direct par un passage au banc. Avec un petit pops. Bon, je pense, les amis, vous avez reconnu un Polo WRC. Donc là, on a le petit truc WRC. C'est monstrueux. Là, la Polo, ils l'ont préparé. Pour vous dire, je connais même pas encore le score, je sais pas combien de chevaux il sort. Mais là, on va regarder une fois à l'écran, parce qu'il vient de passer le passage au banc, tout simplement. Elle vient d'être terminée, il y a encore 2-3 réglages, comme il m'avait dit. Mais juste après, il va bien nous expliquer un peu la carte, la prépa, les pièces qu'ils ont mis. C'est pour ça que je t'ai dit, accélère pas avant qu'on ait la réaction directe, parce que dès le début, je le sentais, il était chaud avant qu'on arrive à la pompe. Mais wow. Non, c'est quelque chose. Mais je ressens, comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu cette âme de la Yaris GR. Et on ressent. Que tu as changé aussi? Oui, des plaquettes. Ok. Pour la preuve. Bon, la preuve que ça freine bien. Mais en gros, oui, donc tu as adapté le freinage. Oui, l'origine, c'est pas pour prendre les okay. Tailles standard. Et des disques rainurés, okay. Des Tavia, et il y a des plaquettes. Et pour l'adhérence, tu as changé quelque chose? Des pneus, très bien. Des jantes, de toute façon, c'est du stock. Des jantes d'origine. Moi, je l'ai acheté avec des élargisseurs déjà. Ok. Un surbaissement. Ok. Le reste châssis, il n'y a pas. Ce que tu as ramené en plus, c'est la prépa moteur. On a terminé la prépa moteur avec les réglages qu'on a pu voir tout à l'heure. Ok. Et là, on est en train d'exploiter. Ça fait 2 semaines que je l'ai acheté. Ouais. Embrayage renforcé aussi, tu m'as dit ça. Ouais, hein, parce que quand je l'ai eu après le réglage, c'était fini. Il était ciré, hein, ça partait dans tous les sens. Ouais, tu sens que c'est limite. Alors, ce nouvel embrayage qu'on a terminé, il ressort pour toi. Magnifique. Et voilà, maintenant, on va aller s'amuser un peu. Là, on teste un petit peu le résultat. Parce que oui, comme vous avez vu, les amis, donc sur la première prise, il venait à peine de la passer au banc, donc d'ailleurs, stock d'origine, combien de chevaux pour rappel? Ça c'est 220. 220 chevaux, Polo WRC, et aujourd'hui au banc, elle a sorti approximativement donc 370-350 chevaux. Ouais, 350 à la 98. Ok, ouais, parce qu'il y a aussi carte éthanol. Avec cette configuration en éthanol, on peut sortir jusqu'à 400 chevaux. Après, on ne veut pas plus, on ne cherche pas une optimisation. Non, on a des confrères qui ont sorti bien plus que ça. Ouais, 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 ouais. Mais parce on est que... vraiment. Tu lui mets ta main.
toi c'est le petit qu'il faut pas déranger. Parce que tu sais quand tu le cherches, c'est vraiment comme la Yaris Just que je t'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est le même, tu vois, la même agressivité, la boîte quand tu lui mets dedans, boîte manuelle, elle y va, elle souffle. Et là on est à l'intérieur, on entend un peu le bruit, mais de l'extérieur, je vous assure les gars que c'est un truc qui est violent. Tu m'avais dit c'est un full tube là, vous avez tout. Non, il y a une marmite avec un silencieux intermédiaire. Okay. Ça résonne beaucoup dans la voiture. Ouais, on entend quand même. Ah, mais pour revenir à la GR, je pense quand même que c'est plus efficace que ça. Un polo, ça sire. Ouais, mais quand même, là, bon, UGR, on a 270 chevaux à peu près. Là, quand même, à 350, c'est que c'est quelque chose. Hein. Ouais, c'est efficace, ça va bien, c'est cool. Les gars, je pense que vous allez voir sur la vidéo, là, ma tête, elle allait dans tous les sens, là, quand tu faisais les... Ah, c'est... Tranquille. Là, ouais, en 2, en 3, là, ça accroche bien. Non, non, c'est quelque chose, hein. Imagine même pas, ouais, on en parlait tout à l'heure, si tu vas beaucoup plus sur le projet, parce que c'est un moteur qui peut encaisser bien plus. Projet, oui, après là on est sur un stage 2, on voulait pas quelque chose de... avec un budget astronomique, on voulait quelque chose de sympa pour aussi montrer qu'on peut s'amuser, ouais, être efficace et très efficace même, avec un budget correct, sans changer ton moteur, sans forger ton moteur, sans changer ton turbo. Ouais. Ici le turbo est d'origine, un refroidissement au niveau de l'intercooler. Les bases, et la carto qui est en train d'être fignolée là, comme tu as pu le voir tout à l'heure. Donc on peut appeler ça quoi, un stage 2? C'est un stage 2. Putain les gars, c'est fou quand même ainsi. Stage 3, tu vas commencer à changer le turbo. Ouais. Stage 4, tu vas forger. Après, voilà. Stage 3, tu dois aller de 400 et quelques. Hein. 400 plus. 400 plus, ouais. Ouais, généralement, stage 2, tu peux sortir à 400. Putain, je suis vraiment content qu'on ait filmé cette voiture parce que c'est un modèle qui m'intriguait vraiment, parce que la Polo WRC, il n'y a pas beaucoup de contenu là-dessus sur YouTube, et les seuls qu'il y a, c'est des projets de malades. Donc tu sens la folie de la caisse, en fait. Voilà. Après, voilà, ici on est sur un projet simple, on veut pas la dénaturer. Ouais. Il y a notre pub, juste 2-3 stickers comme ouais, ça. Ouais, ouais. On n'a pas changé de jante, on n'a rien changé. On a gardé un moteur, si demain on veut remettre d'origine, ouais, il y a quelques heures de taf. On n'a pas forgé, on n'a pas changé l'interne du moteur. Non, ici c'est une prépa dans tous les cas, comme tu m'as dit, c'est une prépa, voilà, juste pour rentrer la caisse un peu plus fun, voilà, voiture plaisir. Sinon les amis, je pense que vous connaissez le personnage, la grosse prépa, elle arrivera plus tard durant l'année. Ah, quand même, la caisse bien, vraiment tant attendue, bon, on peut le dire, c'est la TTRS qu'on a déjà filmé sur la chaîne à l'époque avec la prépa 500 chevaux elle avait. Ouais, non, elle avait plus. Ouais, 600 chevaux. Et là, on sait très bien et on attend tous les 1000 chevaux dès que ça va arriver. Donc là, c'était vraiment la petite voiture du plaisir. C'est bon, ça. Pas si petite que ça. Et... parce que pour le plaisir, là, il y a vraiment... les gars, je sais pas si sur la vidéo ça va bien donner, mais... direct, t'as pas de vide. Regardez, 4500. Ouais, les reprises à 4500, ouais, c'est incroyable. C'est en cinquième là. Si on parle un petit peu budget là-dessus, sur une d'occasion aujourd'hui. D'occasion, je pense qu'il y en a deux à vendre en Belgique. Et la moins chère, elle a 25 000 euros. Ok. Je pense qu'elle a aux alentours des 70 000 km. Et j'en ai vu une très très propre avec une trentaine de milliers de kilomètres. Ouais. Et j'ai vu qu'elle était à 27 ou 28 000 euros. Non négocié. Donc, okay. Je pense qu'avec 25, 26 000 euros, tu peux avoir une Polo WRC d'origine. Bien, ok. Et projet prépa un peu, quelque chose de similaire, combien en plus? 35 000. Ah, donc 30 000, t'as ça quoi? Ouais. À peu près. Ouais, dans ces eaux-là. T'as les gaz comme correct. Hein. C'est correct, c'est ça qu'on voulait montrer. C'est comme correct. Ouais. Mais tout s'explique à l'accélération. Putain, les gars, changement de vitesse, là, les coups que je me prends à la nuque. La reprise, là tu relances en 5, elle repart. 6, ça repart. Là les gars, je m'excuse, hein. Vous allez voir que peut-être les plans ils sont pas très très stables, mais les gars ils caillent, et comme un fou, moi aussi j'ai même pas pris, enfin je suis juste avec mon pull, j'ai laissé ma petite veste. Mais là on va voir un peu déjà.
moteur il est tuning. Bon les amis, on vous refait la partie ici extérieure. Bon, vous avez bien vu, il fait plus sombre, donc c'est pour ça qu'on s'est mis ici à côté du garage d'ailleurs, donc juste la vitrine de la B16 française. Donc ici on peut réexpliquer un peu toute la prépa, parce que là on a vu la partie conduite et c'était la partie même plus intéressante, mais c'est bien aussi de savoir un peu ce qu'il y a sous ce capot et un peu la prépa complète, parce que là déjà dans un premier temps, si on commence rien que sur l'esthétique, il n'y a rien qui a été changé en tout cas. Petit surlaissement. Ok, légèrement décale, rabaissé. Décale de 20 mm. Ok, ouais, c'est vrai qu'on voit un peu que les jantes elles ressortent bien, mais sinon même de base elle est comme belle. On a le petit béquet, on a aussi le bas ici donc en noir brillant, et on a le petit rappel donc ici WRC juste là, 2500 exemplaires, donc très très peu, toutes donc ici numérotées, toutes de la même config aussi, donc exactement de la même couleur, qui sortent toutes avec les mêmes bandes et en trois portes aussi. Seulement en boîte mécanique. Elles sont identiques, ouais. Ouais. Donc ils ont vraiment fait toutes les mêmes modèles. Est-ce que ici pour toi le projet est fini ou... Oui, c'est okay. Vraiment un petit truc. Terminé, pas... ben, c'est déjà suffisant dans tous les cas. On veut pas dénaturer la voiture, on veut montrer qu'avec quelques chevaux, 350, 400 chevaux, c'est quelque chose qui va super bien. Ouais. Ben, ça marche bien, on l'a bien remarqué. Ça. Ben, voilà, tu sais t'amuser, t'as une caisse qui perd pas trop d'argent, c'est quand même une caisse numérotée, t'es pas dans des budgets de fou. Ouais, donc le. Ouais. Le reste, je pense que c'est l'idéal. En fait, le projet est intéressant parce que ça reste à la fois intéressant pour la préparation et même niveau investissement, tu perds pas grand chose. Putain, la face avant, elle est énervée quand même. C'est un côté fun pour une polo. Quand on regarde, ouais. Ça, ouais. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Exact. Cette voiture, je pense. C'est le point à retenir, quoi. Ouais, c'est gay. Tu sais rouler un petit peu. Ouais. Tu sais t'amuser et tu sais surprendre aussi. Surtout, tu sais surprendre. C'est la dernière polo, on va dire. Grosse polo WRC, parce que maintenant les dernières générations, ils ont fait uniquement en GTI. Oui, 2 litres, 200 chevaux. Ouais. GTI, boîte de G aussi dispo. Hein. Alors que celle-ci, on va dire peut-être que c'est ça va devenir une future polo légendaire. Ça va être un collector, c'est ça. Ouais. Parce que c'est fini, là, malheureusement, les dernières générations n'ont pas fait grand-chose. Bon, niveau moteur, alors, qu'est-ce qu'on a ? Turbo. Ok. Ici, donc, on est sur un stage 2. On est sur le turbo d'origine. Boîte R d'origine avec une petite modif. C'est une voiture qu'on a. Acquéré ici il y a 2 semaines. Okay. Donc on est en train de régler, il y avait déjà quelques pièces. On okay. l'a acheté à un ami. Okay. On est en train de régler ça à notre façon. Okay. Comme tu as pu le voir tout à l'heure avec le passage au banc. Ça, c'est un véhicule qui est à 28 sur 350 chevaux, 400 chevaux, le 85 max. Okay. On va rester dans ces eaux-là. Okay. Je pense pas, sauf par une folie, on ira sur un projet de fou. Mais celle-ci, c'est vraiment pour dire un stage 2, une caisse sympa, budget sympa. On peut s'amuser. Comme on a dit tout à l'heure, en gros, pour 30 000, tu as ce résultat-là. Ouais. Prépa comprise et caisse comprise. Oui, parce que là, dans ces eaux-là, plus ou moins. À 25, oui, voilà, sauf si tu veux une bonne affaire, t'en touches une à 20 000. Ouais. Il y a un intercooler, bon, il fait sombre, on le verra pas trop. Il y a un intercooler, ouais. Un kit de pompe, okay. Des bougies de bobine, c'est un classique. Une boîte à air modifiée avec un filtre canne, une ligne d'échappement, une pompe dans le réservoir, okay. Un embrayage renforcé. Et on voilà. Garde. Ça fait le taf. Très bien, c'est cool. J'ai filmé aussi rapidement à l'intérieur parce que la configuration aussi c'est quelque chose de spécial. Donc c'est surtout les sièges que j'ai bien aimé, le volant full Alcantara avec le petit rappel ici WRC. On a la même donc sur les sièges. Et putain, ouais, c'est une caisse, c'est quelle année ça? 2013. Tu sais, mais ça a quand même bien tenu. Hein. Ouais, pour une voiture de 2013. Ouais, généralement, ils les entretiennent bien. Oui, parce que voilà, c'est une voiture que voilà, ça c'est collector. Et elle a les fonds de compteur vraiment similaires au Golf R d'aujourd'hui. Et alors les trois pédales, ouais, c'est insolent, mais bon, boîte manuelle, et c'est ça aussi qui fait le fun de la caisse. Bon les gars, on se devait quand même vous montrer la petite touche finale. Ça c'est quand même quelque chose. Hein. Donc l'œuvre d'art qui... Tu m'as dit, vient d'arriver ? Ouais, la culasse. Donc la culasse moteur donc, pour la TTRS qui se trouve juste là, juste derrière. Donc là, c'est justement en cours de préparation pour vous montrer un petit peu là pour le moment où est-ce que ça en est. Et comme tu m'as dit, bon, c'est une question de quelques mois et ça va être fait. Ouais, c'est donc, ouais. Moi, niveau mécanique, je ne suis pas très très fort, donc je ne sais pas là-dessus ce qui a déjà été fait, ce qui n'a pas encore été fait ou bien qu'est-ce qui va encore être modifié. Mais bon, dans tous les cas, comme tu m'avais dit, ici, tout va être forgé. Donc le moteur va être forgé. Et dites-vous que ça va être là-dedans et là, ça va être quelque chose. Là, une fois qu'il y aura le résultat final, après, bon, je pense qu'il faudra encore roder les pièces, roder le moteur, roder ouais, le ouais, tout. Ouais, on règle tout. Encore aller. Ça va être quelque chose.
faut juste être patient. Bon les amis, c'est là-dessus que je termine cette vidéo. Je voulais juste vous montrer un petit peu. Donc la TTRS, c'est bien en cours. On a vraiment hâte, je pense que même toi, t'as vraiment hâte de l'avoir roulé. Là, dans tous les cas, ben, la Polo WRC, comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment côté fun, etc. Ça, ça va vraiment être ta caisse un peu, voilà, la caisse pour la sortir et tout découdre, on va dire. Donc là, c'est vraiment la caisse score, comme tu disais, parce que les gars, c'est un score à 4 chiffres. Et je vous filmerai une fois qu'elle sera prête, dans tous les cas. Donc n'oubliez pas de vous abonner, justement, pour ne pas rater cette vidéo. L'Instagram du frérot, donc BCS française, qui s'affiche tout de suite à l'écran. Merci la mif, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.